Avec Demain nous appartient, TF1 fait le pari du retour d'une saga estivale en quotidienne cet été. Le premier épisode était diffusé hier soir. Le lancement de la série a-t-il fait le plein de curieux? Bon démarrage pour Demain nous appartient, le nouveau feuilleton quotidien de TF1. Hier la première chaîne s'est hissée en tête de la case horaire avec 3,32 millions de téléspectateurs devant leur poste des 19h20 et 22% de PDM selon nos confrères de Pure Média. Le lancement de la série emmenée par Ingrid Chauvin et Laurie Pesté a ainsi suscité un fort effet de curiosité. Il faut dire que TF1 fait un vrai pari en lançant une nouvelle grande saga estivale, qui a la particularité d'être diffusée en quotidienne et en access. En attendant un si grand soleil, les tops et surtout les flops des feuilletons quotidiens. À titre de comparaison, lundi dernier, The Hall, le jeu emmené par Christophe de Chavannes avait réuni 2,73 millions de fans, 18,5% de PDA, entre 19h et 19h50, précise Pure Média. Avec Demain nous appartient, direction la baie de Sète où l'on suit le quotidien de plusieurs familles impactées par une affaire policière. Alors qu'une violente explosion va secouer la tranquillité de la ville, plusieurs personnages vont se croiser. On suivra en particulier le destin d'une mère résolue à retrouver son fils porté disparu et confrontée à la réapparition de sa sœur qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 15 ans. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre le deuxième épisode de cette première saison de la série estivale de TF1. Game of Thrones, Blind Spot, Flash. Les rendez-vous séries de la semaine Game of Thrones, Blind Spot, Flash. Les rendez-vous séries de la semaine. See you.